Alors, l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Juste un petit peu avant, je demandais à mon fils, qui est petit de taille, qui n'arrivait plus à voir le match de descendre. Et à ce moment-là, je descends avec lui. Le match est terminé, je commence à filmer la sortie des joueurs. Et d'un coup, je vois mon fils qui part en courant, qui m'échappe et qui saute dans les bras de Neymar. Et après la suite, voilà, c'est les sentiments qui ont parlé, c'est un rêve, c'est un moment qui, je pense, va rester inoubliable et gravé dans sa mémoire. Et toi, Zachary, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi t'es allé sur la pelouse à ce moment-là pour voir Neymar? Ouais, parce que Neymar, c'est mon modèle. Ouais. Pour moi, c'est un joueur technique. Après, il joue collectif. Ça, pour moi, ça reste un très bon joueur et aussi un très bon modèle. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête quand tu l'as vu passer? Tu es allé sur le terrain, t'as pas réfléchi? Non, ben, je me suis dit que si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Du coup, j'ai pas réfléchi et j'ai sauté le mur et je suis allé en direction de Neymar. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Neymar? On a vu qu'il t'a parlé quand il t'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, en premier, il m'a dit ça va, mais comme j'étais sous l'émotion, ben, je n'ai pas répondu. Mais il m'a posé la question une deuxième fois et je lui ai répondu que ça, oui, ça allait. Et après, ben, il m'a accompagné dans les tribunes. Il t'a donné son maillot. Oui, et il m'a donné son maillot aussi avant de me ramener dans les tribunes. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Neymar alors aujourd'hui? Ben, je voudrais le remercier pour ce qu'il a fait pour moi et lui dire merci beaucoup. Et que pour moi, c'est un très grand cadeau son maillot. Et que c'est un grand modèle. C'est un moment magique, c'est un moment qui va rester gravé, je le répète. C'est vrai qu'on a pu faire beaucoup de remarques à Neymar par rapport au match de la Coupe du Monde, mais je pense que son geste, c'est un geste de grande classe. Et je le remercie. Je pense que mon fils aura ce moment qui restera inoubliable. Et j'espère que ça va le motiver pour réaliser son rêve et pourquoi pas un jour devenir comme lui, offrir lui aussi son maillot à d'autres gamins.